Mimi, t'as-tu un bébé hamster dans les bras? Il a de l'air tout bien, tout calme. Je sais pas Petit pourquoi, on dirait ratatin. qu'il est plus, il est plus confiant avec moi de que je prends. Ah ouais? Ouais, parce que genre quand Mimi est là, genre des fois, je sais pas, il s'éloigne un peu. Puis quand il est avec moi, il se rapproche, Ben genre. là, il est bien présentement Il dans les bras de veut ta sœur. souvent genre me sentir, je sais pas pourquoi. Ok. Ben là, il est bien dans les bras de ta sœur. Regarde ça, il est tout tranquille. Il apprécie les flatouilles. Puis Mimi est contente. T'es-tu contente, Mimi? Petit Attends, Mimi, bébé. juste voir. Enlève ta main. Les squeeze là parce que je sais pas, peut-être qu'il veut s'en Il est aller. pas squeezé du tout. Il est très correct. Il est Il pas est vraiment. squeezé? Ben non, il est pas squeezé partout, partout. Vraiment pas. Et tu fais notre petit ratatac. Christophe! Viens-t'en, c'est l'école qui recommence, s'il te plaît. On s'en vient à la table. Salut, vous autres. On est le 21 octobre. On est mardi. On est-tu mardi? Tu vas sortir tes choses de maths, mon loup, s'il te plaît? Parce qu'on va faire des mathématiques. Je pense qu'on est mardi. Non, on est mercredi. Je suis tout le temps mêlée dans mes journées. Mercredi, le 21 octobre, tu sors des décimales. Puis aussi ton cahier de. Pas ton cahier de traces, mais tu sais, le feuillet, là, genre. Bon, peut-être qu'on n'en a pas besoin. Tu vas trouver la page qu'on était rendue, qu'on a terminée hier. On est rendu là, t'es sûr? Oui, hier. Ah oui, des beaux graphiques de même. Fait que c'est ça. On recommence l'école. Ce matin, Christophe a fait ses traces d'études en vue de la dictée de vendredi. Moi, je l'ai profité pour. Ouais, Christophe a fait le dîner aussi. Il a fait du craft dinner pour lui puis sa sœur. Puis moi, ben, j'en ai profité pour aller prendre ma douche. Même si j'étais pas bien, bien sale, j'ai pris ma douche. Il était comme 9h30, 10h hier. Puis là, je l'ai pris tout de suite. Monsieur Duguay m'a prendre de l'avance. M'a prendre de l'avance pour asseoir parce que ce soir, imaginez-vous donc que je vais être en formation. Il y a quelqu'un que je dois former pour le Beach News, un nouveau chroniqueur. Fait que c'est ça, je vais être occupée après souper. Fait que je me suis dit, bon, aller dans la douche tout de suite, ça va être fait. Fait qu'en tout cas, on fait un peu d'école, puis je vous reviens. Re-salut vous autres, il est maintenant 4h35, oui. Puis mon doux, l'après-midi a passé vite. Écoute, on a commencé à faire des maths, puis à un moment donné, on a dérivé, on a tellement dérivé à regarder ce qui est écrit sur mon tableau, OK? Cannabis, THC, CBD, psychose. OK? Christophe écoute beaucoup de YouTubeurs, pis tout. Quoi, Mimi? Bon, OK. Elle est aux toilettes. Fait que, ouais, c'est ça. On a commencé à faire des maths, pis là, je sais pas, il a entendu des mots dans des vidéos, pis il se demandait c'était quoi, pis tout. Comme cannabis. Fait que, d'ailleurs, il va falloir que je regarde c'est qui les YouTubeurs qui écoutent, là, parce que je veux m'assurer que ce soit correct, là. Mais, en tout cas, c'est ça. Fait qu'il pose des questions, fait que maman explique. Je veux dire, j'ai rarement caché des affaires à mes enfants. Tu sais, moi, comme, même pour les affaires de sexualité, s'il pose une question, c'est quoi cette partie du corps-là, ben, on appelle ça un pénis. Tu sais, on n'appelle pas ça une kékette ou une zigounette. Ou, tu sais, ça m'arrive de dire ces mots-là, mais je leur apprends les vrais mots, les vraies choses. Bref. Attends un petit peu, Mimi, je vais venir te voir. Fait que là, ben, c'est ça. Il se questionnait sur le cannabis, qu'est-ce que c'est, pis tout. Je lui dis, bon, ben, c'est une sorte de drogue, puis tout ça, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a, Noémie? Oui, ça sera pas long. Fait qu'en tout cas, on a parlé de drogue. Mon fils et moi, on a eu une belle grosse discussion.
sur la drogue cet après-midi. Puis il a trouvé ça bien enrichissant. Moi avec, je trouve ça important qu'il soit sensibilisé à ça. T'sais, il arrive à 11 ans, il arrive à un âge où est-ce qu'il va en entendre parler de plus en plus autour de lui peut-être. Puis il faut qu'il soit capable de faire des choix, t'sais, un bon jugement, puis de savoir à quoi s'attendre, puis ces choses-là. Fait que, évidemment, moi, j'ai dit, tu ne touches pas à ça, c'est mauvais, c'est caca, ça pue, barque. Mais, faut qu'il comprenne, tu peux pas juste dire, c'est interdit, point final. Donne des explications à ton enfant, tu sais, explique-y. Il se questionne, lui-là, là. Fait que, voilà, on a parlé de ça cet après-midi, fait qu'on a laissé faire les maths, on a fait une page, c'est tout, puis on a dû parler un bon 2 heures de temps. De drogue et tout ça. Ouais. Fait que c'est ça. Puis là, ben, ça fait que j'ai rien fait d'autre cet après-midi. J'ai mon lave-vaisselle à partir, ma balayeuse, des jouets qui traînent partout comme d'habitude. Fait que c'est ça. Puis là, ben, Mimi est aux toilettes, puis elle me crie après. Fait que je vais aller la voir. Hello! Il est rendu 20h30. Là, on va s'enligner pour coucher les enfants, ce qui est toujours un petit peu bordélique chez moi. Ouais, là, j'ai fait mon article, là, je viens tout juste de le finir, j'avais pas eu le temps avant. Puis même en plus, c'est mon chum qui a fait à souper ce soir, merci! C'est quand la dernière fois que je vous ai parlé? Ah oui, je vous parlais de Droy. Je vous parlais de Droy parce que j'avais parlé de Droy avec mon fils. Ouais, c'est ça. Après ça, j'ai cleané la maison, les jouets qui traînent, passé ma balayeuse, j'ai fait mon lave-vaisselle, tout ça. Puis après ça, j'ai fait ma petite formation que je devais faire là, pour le nouveau chroniqueur. Ça a bien été, mais c'est pas terminé. On va continuer demain. Là. On commence par la base, puis bon, hein, on enchaîne avec le reste ensuite. Puis c'est ça, donc je viens tout juste d'écrire mon article ce soir. Et là, il est terminé. Youpi! Puis là, je suis contente parce que Jenny Rock m'a écrit aujourd'hui pour me dire qu'elle a reçu ma pocket letter. Finalement, il me semble que ça a pris un petit bout de temps, en tout cas. C'est ça, fait qu'elle l'a reçu. Donc maintenant, je peux vous partager la vidéo que j'avais fait avant de lui envoyer. Donc... la petite vidéo où je vous présente ma PL que je lui ai fait. Fait que je vais vous mettre ça en ligne ce soir. Vous allez l'avoir ce soir, demain, là. En plus du vlog d'aujourd'hui. Puis c'est ça, mais là, la soirée n'est pas terminée. J'aurais du linge à plier. J'ai même pas fait mes rebords de rideau. Je vais peut-être faire ça. Ça serait une bonne idée. Une fois que les enfants sont couchés, là, moi, essayer ça, la colle chaude, pour faire mes rebords de rideau. Oui, madame. Hello! Il est rendu quelle heure? 9h36, puis là, on s'apprête. D'ailleurs, je vais vous placer comme du monde. Excusez, ça shake. Oh, ça shake beaucoup! Il y a un tremblement de terre! Excusez, je m'énerve. On s'apprête à faire les rideaux. Le rebord des rideaux, je veux dire. Mon Dieu. Attendez un petit peu. Le rebord des rideaux. Avec la colle chaude, on teste ça pour vrai, on est vraiment sérieux. D'après moi, ça va marcher. Toi, B? Ah ouais, j'ai bien de l'espoir. Moi aussi, j'ai bien de l'espoir. C'était vraiment une idée intelligente. On va faire ça. Yo, what the fuck? Hey. On met de la colle chaude sur nos rideaux. Quoi? C'est pas moi qui très certain? Comment ça, c'est pas toi? Tu vois ici, on avait coupé le croche en plus, là. Mais ça, c'est plus long que ça ici, là. Fait que là, toi, tu penses que je trace une ligne là? Ouais. Puis là, ben, je vais la plier là. Ouais. Là, faut pas que ça bouge pantoute pendant que je trace, là. Ouais, c'est ça. Wow, ça bouge. Bon. Hein?
vois pas beaucoup. T'es plus égal. Ah, c'est ça, comment tu fais pour savoir que t'es pas plus haut d'un bord que de l'autre? Est-ce que je me... Je regardais les lignes ici, hein? Là. Je l'alignais, tu sais. Qu'elle soit comme... Ok. Ouais, je sais pas si ça fait ça. Gotcha. Ouais. Oui. C'est pas... C'est pas une science exacte, là. Non, pas trop. On le sait tout de suite. Là, d'après moi, tu te crochis, là. I swear to God. Là? So far, so good. OK, bon, ben tiens-le ton tête, parce que là, je vais peser un peu plus fort. Et moi, je peux jouer avec lui ici, là. Toi, tu peux t'attendre, du coup. Tu penses que ça marche? Non. Ben là, j'appuie, là. Là! Tout crache, là. Appuyez-tu ou tu fais ça? J'appuie. On l'a brûlé, Lynn. Elle est plus foncée de ce là, mais on l'a brûlé. J'ai pas l'air. Ah, toi, tu penses que tu fais ça de même? Non, that's wrong. Toi, c'est quoi? Oui, c'est ça. Parce que si on se fie au rebord qui est mal coupé, ça va être croche aussi une fois collé. Ouais. L'affaire, c'est que ta ligne, ça t'arrivera pas. Okay. Non, c'est ça. C'est pour ça que moi, je disais au départ, on colle ça là. Mm-hmm. Puis là, on va le wrapper autour, puis le tuyau, il va sortir après. Là. On lui laisse un petit lousse. Je sais pour là, faut s'assurer que lui aussi soit droit dans le tissu. Là. Mais, tu sais, en mode qui est dingue, là, mais. Je sais pas, là, ça va faire un jour, mais... Comprends-tu que ça veut dire? Ok. Ou bien, on y va petit bout par petit bout, on va la voir, la ligne. Ah, avec la ligne de plancher, y'a-t-il un cadre partout? That's not crazy. C'est pas une idée de fou, ça, là. C'est intelligent, ça. C'est intelligent. Mon fusil à colle, il est chaud. Peut-être un petit peu. Fait qu'enlignons-nous avec une ligne de plancher, même. On fait ça. OK. Collons les rideaux. Fait que les draps sont posés, les draps, les rideaux, Colin, de Bin. Pour vrai, ça a fait une belle job, là. J'ai du vino. Mm-hmm. Ça a fait une belle job, pour vrai. Tu sais, c'est... Ça paraît pas, la colle a pas traversé de l'autre bord, pis tout. Ça fait un beau pli bien droit. Paraît pas du tout qu'on a fait ça avec la colle chaude. Sauf que... Évidemment, il n'y a rien de parfait dans la vie, là. Ces deux-là sont pas égales. Mais on s'en sac. Regarde, on est cachés. Puis la majorité du temps, les rideaux vont être ouverts. Fait qu'il n'y a pas personne qui va voir qu'il y a un demi-pouce plus long d'un pan de rideau, là. En tout cas, on est bien contents.
On s'est crafté des rideaux, c'ti. Bon, ils existaient déjà, là, mais on les a coupés à bonne longueur. Puis on les a collés, calice. On a collé des rideaux à colle chaude. Fait que, sachez les gens que ça se peut. Ça se peut de coller des rideaux. Sauf qu'on se disait justement pendant qu'on le faisait que, tu sais, mettons qu'on veut les laver, là. Je sais pas si la colle va résister au lavage. En tout cas, certainement pas au séchage. On mettra pas ça dans la sécheuse. Mais dans la laveuse à l'eau froide, peut-être que ça tiendrait. Mais anyway, hein, on lave pas ça à tous les semaines, des rideaux, là. Fait que ça devrait être bon. Fait que là, ben, il est rendu quelle heure, là? Tose-toi. Il est 10h03. Ça a pas été trop long. Ça a pris à peu près une demi-heure faire tout ça. Pour vrai, c'était une bonne idée, babe. Bravo. Merci. Fait que c'est ça. Je vais conclure le vlog ainsi, je pense. Puis, ben c'est ça. Il va en avoir un autre demain. Fait que si vous avez apprécié, ben laissez-nous un petit pouce en l'air, un commentaire et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Puis, ben on se revoit demain, comme je disais. Ciao tout le monde!